our water is getting warmer, faster than the global warming. On doit se saisir de cette opportunité à bras le corps. What happened here, it happens. You know, they blew it up. At the end of the day, this is still my country. It is my story of my story. Votre rendez-vous détente et bonne humeur est de retour sur la première. Kataleka, c'est ce dimanche à 17h50 sur la première. Votre programme avec le groupe OPT, des entreprises polynésiennes à votre service. Groupe OPT pour un monde qui s'ouvre. Bonsoir, 19e Festival FIFO, ici à Papété, la fête de l'image et du sensible, le documentaire dans tous ses états, vous le savez, c'est parti jusqu'au 13 février à la Maison de la Culture, cérémonie d'ouverture ce matin, voici les images, une idée de l'Océanie dans sa diversité, rage, joie, émotion, toutes les palettes du monde telles qu'il est, à savourer et à découvrir sur les écrans de la Maison de la Culture. Le FIFO, c'est une affaire de regard, ce soir, une affaire de regard de femme. Dans cet univers, rien ne leur est donné. Double rencontre avec la caméra de Patita Sabea. Elles ont décidé coûte que coûte de vivre leur passion du documentaire. Céline la Française, Gemma l'Espagnole, vivant en Californie. Le monde de l'image est une course d'obstacles. Festival de Cannes 2018, les femmes protestent contre le peu de part qu'il leur est concédé. Dans le documentaire, c'est un peu moins vrai, même si les préjugés de genre parfois rejaillissent. Céline a tourné en Papouasie, un terrain social miné. Sa condition de jeune femme fut parfois évoquée en commission. « 25% des films qui arrivent en festival sont faits par des femmes. Et ça en dit long quand même sur la difficulté pour les femmes à arriver à ce stade, en fait. » Festival de Cannes, c'est 5%. Hein. 5%, ouais, bah voilà. Jadis, Gemma a travaillé sur la tauromachie, un univers masculin, totalement masculin. Installée aux États-Unis, elle s'intéresse aux identités, à la réalité du Pacifique si inconnue chez l'oncle Sam. Son expérience de 25 ans, au-delà de la question du genre, lui permet d'interroger la condition humaine sous toutes les latitudes. And she wanted to see him one last time. So she agreed to go with all of us. Il y a des histoires à raconter, c'est le plus important, peu importe que l'on soit homme ou femme. Parmi les documentaristes, il y a beaucoup de femmes, cela s'est amélioré, mais la difficulté réside encore au niveau des décideurs. Dire et créer, quitte à s'exposer avec cœur, ces réalisatrices ont choisi de faire vivre leur monde au FIFO. On le sait, la culture est un sujet toujours en dynamique constante, le documentaire n'y échappe pas. Nouveaux regards, nouvelles écritures, mais également en permanence des savoir-faire nationaux. Le FIFO est le témoin privilégié de ces mutations. Reportage. Tout est affaire de regard. Regard du réalisateur, regard du spectateur. Voir, dire et écouter, un triptyque qui n'est jamais neutre. La culture du jour et la technique du moment engendrent aussi le documentaire. Hier, c'était comme cela, des bobines du film et un style dont le cousinage avait écrit est une évidence. Tandis que sur la pelouse, on voit s'assembler les enfants des écoles et des collèges.
En moins de 20 ans, la révolution technologique a touché le documentaire. L'art narratif a changé. Plus direct, plus en prise avec les acteurs. Mireille Mabono, présidente du FIFO, a un témoignage précieux sur l'évolution de la captation des temps présents. Depuis quelques éditions, depuis 4 éditions maintenant, on propose du court documentaire, donc des formats très courts. Mais on constate aussi, par exemple, en Australie, des formats beaucoup plus longs avec des documentaires de 90 minutes. Donc il y a aussi voilà, toute cette évolution de 19 années de documentaires qui nous permettent également d'avoir du recul sur ce qui s'est produit dans la région et surtout sur tout ce qu'il reste à produire. Ainsi, le FIFO fait le constat du monde océanien, parfois crûment, dans les blessures toujours à vif des convulsions de l'histoire. Le monde change, c'est vrai. Village planétaire, uniformisation des regards. Pas si vite. Le génie des peuples reste là. Leur regard est toujours singulier. Chaque pays a sa culture documentaire. Virginie, membre du jury, a étudié en Australie. Cette patte-là est une signature reconnaissable. Il faut montrer les choses. Il faut que l'audience arrive à comprendre ce que tu lui racontes sans utiliser l'exposition. L'exposition, c'est quand on utilise des phrases pour dire les choses, alors que non, on devrait utiliser l'image simplement déjà pour véhiculer un message. Donc ça, c'est quelque chose que je retiens vraiment de l'Australie. La culture est une matière vivante. Elle évolue comme le regard des hommes en fonction des outils dont ils disposent, de leur histoire aussi. Le FIFO, depuis 20 ans, est un marqueur du temps océanien. Dans ce journal, prise directe, direction la Maison de la Culture avec notre invité, Wallace Cotra, cofondateur du FIFO. Bonsoir monsieur, merci d'être avec nous. 19 ans de FIFO dans un monde qui a changé, on sait qu'aujourd'hui la dimension multipolaire est importante. Est-ce que le FIFO c'est quelque part aussi du soft power sur l'affirmation océanienne face au monde qui nous entoure ? D'abord, le FIFO se déroule dans un contexte très particulier, c'est-à-dire qu'avec le Covid... Je dis souvent qu'on est redevenu des îles. C'est difficile de se rencontrer, de voyager, etc. Et à l'intérieur de nos pays, et j'ai une pensée pour les familles qui ont été endeuillées, ben finalement, on évite les relations. Et ça ne ressemble pas à l'Océanie. Et donc le FIFO est au milieu pour dire mais quelles sont les vraies valeurs de l'Océanie. Et c'est très important de voir que le FIFO a deux dimensions aujourd'hui parce qu'il y a une sorte de résilience, une sorte de résistance. La volonté de se retrouver ensemble ici. Et dire, mais malgré tout, afficher que nous sommes ensemble, que nous voulons avancer ensemble. Et puis d'autre part, avec le numérique, et j'entendais Myriama en parler tout à l'heure, finalement, le FIFO est perceptible, a un impact un peu partout, aussi bien dans le Pacifique qu'en Europe. D'autant que le Pacifique, aujourd'hui, devient un enjeu central de la politique mondiale et de la géopolitique. Le soft power, ça peut exister également pour les peuples océaniens de dire, attention, on existe face aux défis, notamment au changement climatique qui nous entoure, évidemment, avec la réalité de l'océan. Vous savez, c'est notre histoire en Océanie. C'est d'essayer toujours de survivre. Parce que dans nos petits pays, finalement, un tsunami, une épidémie risque toujours de nous faire disparaître. Et bien, depuis nos ancêtres, on essaie de dire le FIFO, c'est une interprétation moderne de ce que nos vieux ont fait déjà, nos anciens, qui est de dire, malgré tout, malgré notre géographie, malgré le côté exigu de nos îles, ben on est debout et on avance et on veut partager avec les autres. C'est ça le FIFO. Monsieur Cotra, il y a un cousinage qui est fort. Vous animez pendant le FIFO un colloque avec l'ensemble de vos collègues des télévisions océaniennes. Est-ce que ces liens vont se renforcer pour donner à voir à tous les spectateurs les réalités humaines et culturelles des îles ? Je crois que c'est ça l'enjeu important, c'est que quand on est petit, il faut une stratégie pour résister, une stratégie pour continuer à avancer. Et je crois que le colloque, c'est de dire les responsables des télévisions de la zone, les acteurs économiques, mais aussi culturels et politiques, doivent se retrouver pour dire, dans cette mondialisation, dans cette situation compliquée avec la pandémie, quel est le rôle des médias et que doivent faire les médias pour être utiles à nos populations ? Je crois que c'est le sujet de ces rencontres des télévisions de la zone. Merci beaucoup, M. Cotra, de nous avoir reçus depuis la Maison de la Culture. Et demain, on va parler du colloque, justement. Merci, Stéphane. Bonne soirée à vous. À demain. Vous le savez, le FIFO, c'est une fête. Et pour une fête, il y a de la musique, il y a un hymne. Eh bien, Ignacio Ravegno va nous le décomposer dans cette rubrique qui reviendra tous les soirs dans Le Regard. C'est parti. «
Il faudra vous y faire, car c'est un air dont vous aurez du mal à vous défaire tant qu'il sera entonné les jours à venir. Cette marche composée par les salariés du Tefaret Houtinoui 4 ans après la première édition du festival a aussi en quelque sorte été retenue par le jury d'alors. Mais attendez, attendez! Qu'est-ce qu'il a de si spécial cet air? Le fait est qu'il a le mérite de faire se retourner les personnalités éminentes, si l'on peut dire, du pays et qu'il pourrait presque faire entrer les initiés dans une espèce de transe. Mais au fait, la recette, elle est simple. Une mélodie presque répétitive, un refrain entêtant et surtout, la joie de vivre de ceux qui l'interprètent depuis sa création. Bref, un morceau sans prétention qui a su se faire une place de choix au sein du FIFO. Sympa ce clin d'œil d'Ignacio. Allez, au programme demain, hors compétition, si vous voulez voir des films qui parlent de la Polynésie, eh bien un beau documentaire vous est proposé, Waka, l'île aux chevaux, 14h45, c'est au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Et toutes les infos sur le FIFO, horaires, programmation, etc., fifotahiti.com et également sur l'ensemble des réseaux sociaux de Polynésie. La première, de superbes images à découvrir demain, 14h45. Soyez présents. Merci d'être fidèle. Bonsoir à demain sur la radio, les réseaux sociaux et la télévision. Et conclusion en musique. Belle soirée sur la première et beau FIFO. Programme avec le groupe OPT, des entreprises polynésiennes à votre service. Groupe OPT pour un monde qui s'ouvre. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.